Je suis cinglé. Mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le mec le plus cinglé que je connaisse. Peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice... Ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça? Je le sais, Barry. Je peux... Al, arrête! Non, écoute. Je peux la ramener. Je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réels. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Thomas Zen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux, y a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Y a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh non! J'avais perdu mon arme dans l'accident. Barry était introuvable. Barry! Barry! Oh, merci! Et ça est sauf! Ça fait plaisir d'entendre ta voix! J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré! Oh, tu parles d'une chute! T'inquiète! Ton double en carton est intact! On s'en fiche! Tu vas bien? J'ai atterri dans des buissons, même pas une égratignure! Mais tu pourras pas descendre. La falaise est à pic. Ah, Al, y a un truc qui bouge par ici. Barry, c'est un possédé. Prends un feu à main, Barry. Oh, ouais. Barry, tout va bien? Ça va, Al. Ça baigne. Je parie qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai New Yorkais, celui-là, hein. Attends-moi une seconde, d'accord? Al, je reste pas là! C'est du suicide! Je vais à la ferme! J'en profiterai pour sécuriser la zone! Tu prends un bras! T'en fais pas, mon vieux! Je m'en occupe! Il se prend pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Barry. Il fallait une source de lumière pour les détruire.
Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. S'éloignait de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts. J'essaie de replacer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme.
Y'a quelqu'un? Barry! Non! Danny! Vous n'êtes pas! Pitié! Qu'est-ce que... Non, pas ça! Je suis désolé! Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. J'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Il lui est arrivé un truc. C'est plus le même. Et comme dans la suite ratée. Un très bon film, dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Laissez-moi deviner. Danny. L'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. Il n'était pas ici. Il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulus d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry, c'était Barry.
Je savais que les frères avaient été des sortes de stars du rock, mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience. Al ! Cours ! Ils arrivent ! Ils sont trop nombreux ! C'est dingue ! Tant que tu aies décidé de la jouer solo, Carl Bronson. Tais-toi et tire. Al, on doit les faire dégarpir. Je peux lancer tout le feu d'artifice d'ici et t'aider. Thank you.
Bright Falls, capitale américaine du rock'n'roll. L'écrivain, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ton double en carton est intact, pile là où je l'ai laissé. Je reviendrai le chercher quand l'endroit sera sécurisé. Ouais, c'est vrai que ça m'inquiétait au plus haut point. Je crois comprendre ce que tu as fait. Ouais, c'était pas mal. Tu veux que je fasse mon imitation de Barry Wheeler? Non? Je le savais. Wow! Regarde un peu ça, Al! Il prenait vraiment ces conneries vikings au sérieux! Dormir. On passe tous entiers dans les bois du marché. Eh ben ça me rappelle des souvenirs. Hé, tu te souviens quand j'ai réussi à t'avoir cette job? Sauf tout pour les boulots d'écrivain, c'est lui qui t'a lancé! Le bateau viking était imposant, à la manière d'un gros bélier. Je suis un rêve, vous êtes un rêve. Le taré déguisé en plongeur est un rêve. Et la fille radieuse qui sourit tout le temps est un rêve. Elle aussi. Je suis pourtant quasiment sûr de rêver ça. Alors peut-être que vous êtes un rêve brouillé. Je suis pas votre psy, moi.
types étaient super productifs. Tu sais quoi, Al? Si on s'en sort vivant, je vais carrément devenir leur manager. Ouais! Je vendrais ça en ligne, je ferais peut-être un reality show, ou alors sortir un nouveau single. Fais gaffe, Al! Vous savez, fidèles auditeurs, je travaille la nuit, mais je ne suis pas le seul. Messieurs Mulligan et Sampton, les adjoints du shérif, ont pris un moment pour me rejoindre dans le studio ce soir. Alors, messieurs, vous êtes occupés. C'est bientôt la fin du concert et je vous dis que vous savez. Bien à faire, mais... Je pouvais voir le bâtiment qui devait être la maison des Anderson, à l'autre bout du champ. Ce n'était plus très loin maintenant. Peu m'importait de devoir faire confiance au radotage de deux détraqués séniles. Ils avaient le matos. On y va, mec! Je crois qu'on va devoir l'ouvrir ensemble. La porte a l'air de peser son poids. Eh, ça doit être la ferme. On y est presque. Cette ferme est un véritable asile de fous! Alors, on devrait être à l'aise.
quelqu'un habite ici. Vous croyez que les Anderson étaient chez les fous? Ouais, je crois qu'ils les surveillent pas de très près à la clinique. Ils ont l'air de se faire souvent la belle pour boire un coup. Tu m'étonnes! Ces mecs ont l'air géniaux! T'entends ça, Al? De la musique! Bien sûr! On doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Dame à la lumière? Hey, mais ces machines! Tu sais, la folle avec la lampe qu'on a vue en ville! Cynthia Weaver. Ouais! C'est ça! Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Hé, hey, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je veux plutôt dire, se saouler. Bon sang, Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Écoute, Al. Désolé pour Alice. Non, vraiment, je... Je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde! Exact! Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an, et ce serait rien que des best-sellers. Oh non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schnocks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça.